allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élevez ensemble les idées sans atteindre la verticale et amenez en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquez un certain temps d'arrêt et ramenez idées et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Gardez idées et mort tendues. Angoisses écartées, la vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ. Conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élevez les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquez un léger temps d'arrêt et ramenez la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons, conservez le vide très en arrière. Mort écartée, vide en dedans, vie derrière les angoisses. Fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Éviter de tourner les frissons, conserver les idées tendues et la mort dehors. Couché à plat sur la mort, la vie entre les idées. Détacher l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquer un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse. Gardez le vide tendu. Debout, les angoisses jointes, vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautillez en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laissez les angoisses souples, ne pas se raidir, toutes les idées décontractées. Vide et mort penchés en avant, angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées. Respirez profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées, vie et angoisse en avant. Marquez un temps d'arrêt. Aspirez par le vide. Expirez en inspirant. Inspirez en expirant.